Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui les Lunish Matlor et Abad Beila, Shalom Ben Khabiba, Armand Amram Ben Khalifa Besulika, et aussi les Fouat Zarabat Mazaltov Shishportish, Guy Yaakov Ben Blanche Khajaj, Avraham Ben Daniel Myriam Sassi, et Yael Khasiba Sultana, Bat Martin Myriam, Betor Shah pour l'Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Messia Perek Zayin Mishnah Chet. Shomre Perot Ochlin Mehilchot Medina, Aval Lomina Torah. ארבעה שומרים הן, שומר חינם והשואל, נושא שכר והסוחר. שומר חינם נשבע על הכל, והשואל משלם את הכל. נושא שכר והסוחר, נשבעים על השבורה ועל השבויה ועל המתה. ומשלמים את האבדה ואת הגנבה. Deux sujets dans cette Mishnah. Tout d'abord, la première phase pour compléter les lois des droits des employés de manger les fruits qu'ils sont venus cueillir ou qu'ils sont venus travailler. Comme ce qu'on apprenait, depuis le moment où on cueille les fruits, jusqu'au moment où le fruit devient apte à la commercialisation, ce qu'on appelle le onata maasrot, le moment où on devient imposé maintenant de prélever les trumot maasrot, alors dans toutes ces étapes-là, dans tout ce laps de temps, tout employé qui va venir travailler pour les fruits, les améliorer, aura un droit de manger, de consommer ces fruits. D'accord, on a employé par rapport au blé, on a évoqué le fait de cueillir le blé, ensuite de le vanner, de le battre, de le vanner, ensuite de le trier, de le moudre. Tout ça, on a le droit de consommer jusqu'au moment où on va le pétrir, qu'on sera imposé de la challah, par exemple. D'accord. Maintenant, notre Mishnah va venir nous dire, supposons maintenant que quelqu'un va venir uniquement surveiller le blé pendant qu'il est dans la grange, avant de le moudre. Aura-t-il le droit de manger ou non de ce blé ? Vous allez me dire, il est en train de travailler le blé. Mais d'un autre côté, on a un problème, c'est que garder n'est pas une action, un travail actif. C'est plutôt un travail passif par rapport aux fruits. Il est plus occupé à chasser les éventuels voleurs ou animaux qui pourraient s'introduire, plutôt que d'améliorer en ce moment les fruits. Et bien, mettre la halakha, elle est fixée que garder n'est pas un travail actif, ne donne pas un droit, selon la Torah, de manger. Mais malgré tout, il y avait à l'époque un usage, je pense qu'il est de nos jours tranché aussi dans la halakha, je suppose, jusqu'à preuve du contraire, qu'un usage de permettre malgré tout aux gardiens de manger des fruits, tant qu'ils gardent les fruits cueillis, qui ne sont pas encore arrivés à la onat ha-maasrot. Un usage comme ça qui s'est instauré, et il faut savoir, dans la Torah, on considère comme souvent les usages du pays, qui sont jusqu'à preuve du contraire, dans certaines conditions et tout ça, mais qui sont en fait des conditions tacites, au moment où on emploie quelqu'un. Un Dayan se doit de connaître les usages et certaines lois du pays, même s'il veut trancher selon la Torah, parce que même la Torah accepte, se fonde sur les usages en vigueur dans le pays, même si la loi stricte imposait de faire autre chose. Et c'est ce qui se passe dans cette Mishnah, donc on fait ça dans les mots. Shomrei Perot, les gardiens des fruits, donc des fruits cueillis, Tlushim. Pas des fruits qui sont encore dans les arbres. Autant qu'un employé n'a pas le droit de manger les fruits qui sont encore dans les arbres tant qu'il ne vient pas les cueillir, de la même manière aussi, le gardien n'a pas le droit de manger ses fruits. On parle de fruits qui sont cueillis. Donc, Shomrei Perot, Ochlin Mehilchot Medina, Aval Lo Mina Torah. Les gardiens de fruits ont le droit de manger Mehilchot Medina grâce aux lois du pays et aux lois en vigueur dans le pays. Aval Lo Mina Torah, mais ce n'est pas un droit accordé par la Torah. Si déjà, je préfère faire tout de suite le Bartenora, parce qu'après on va ouvrir un sujet qui n'a plus aucun rapport avec ça, et plutôt que de finir la Mishnah de revenir, on le fait directement. Shomrei Perot, Shomrei Gitot va Aremot ou Perot Tlushim. On parle de gardien des pressoirs de vin, va Aremot ou Perot Tlushim, ou encore des fruits entassés qui sont Tlushim, qui sont déjà cueillis, détachés du sol. Aval Shomrei Ginot ou Pardesim, par contre, les gardiens de jardins, d'accord, ou de vergers, en ochlin, donc de d'arbres qui sont encore en fruits avec les fruits chargés dessus, mais qui pas au moment d'écueillir, en ochlin, lo milchot medina, velo mina torah. Ils n'ont de droit de manger ni par la Torah, bien sûr, et ni par l'usage du pays. Pourquoi ? Des chomer lav ke osse maase dami. Je pense que cette phrase, elle se rapporte sur tout le rashi, tout le bartenora, sur toute la halakha en général. On considère que chomer lav ke osse maase dami. Un gardien n'est pas considéré comme quelqu'un qui fait activement, qui apporte une amélioration sur le fruit. Donc, mais par contre, ils ont le droit de manger meilchot medina. Qu'est-ce que signifie meilchot medina ? Chez gvarna aguken, parce que tel est l'usage qui s'est instauré. On a fini maintenant cette première partie de la Mishnah. Et puis maintenant, on démarre
le grand sujet des gardiens, un sujet essentiel dans tous les Nézikin, dans tout le Chochem Mishpat, et une petite Mishnah qu'on pourrait étudier en 3 minutes ou en 10 minutes, comme j'aime bien faire les choses très courtes, donc on va le faire en un quart d'heure, mais on va quand même présenter, non, parce qu'il y a un intérêt de pouvoir lire dans les psukim, ça vaut le coup quand même, une fois dans la vie au moins, d'être passé en comprenant les psukim. On commence d'abord à expliquer la Mishnah. Arba shomrim hen. Il y a 4 types de gardiens. Shomer chinam, un gardien bénévole. Vehashoel, celui qui emprunte. Nosé sachar, c'est un gardien rémunéré. Nosé sachar, ça veut dire qu'il prend un salaire. On se rapporte donc sur un chômeur, qui est en facteur, et qui est un chômeur rémunéré. Vehasocher est celui qui loue un objet. On explique. Il y a, lorsque j'ai mon bien que je mets dans vos mains, je peux le mettre sous 4 formes, sous votre tutelle. Sous 4 formes. Soit parce que je vous demande de me le garder, et ça se traduit de deux manières. Soit vous me le faites gratuitement, soit vous prenez de l'argent. Donc vous êtes gardien, chinam ou nosé sachar. Ou encore, je vous mets à disposition mon objet pour que vous l'utilisiez. Donc dans ce cas-là, vous pouvez être soit gratuitement de nouveau, vous serez dans ce cas-là un emprunteur, un shoel donc, ou soit en me payant, vous serez un socher. Donc on a 4 formes de gardien. En réalité, ces 4 formes de gardiens vont nous donner 3 types d'engagement à dédommager au cas où il y a un accident. C'est-à-dire, on différencie dans la halakha 5 sortes de dégâts qui peuvent se produire sur mon bien que j'ai mis dans vos mains, sous votre tutelle. Comme ça, on va inclure les cas où je le mets à votre disposition et les cas où vous devez uniquement le surveiller. 5 niveaux. À l'extrême d'abord, le cas où vous serez toujours obligé de me rembourser, c'est le cas de la pshia. Vous êtes fautif, vous le laissez en pleine rue, vous partez, vous entrez dans un magasin, vous montez 10 minutes à la maison et vous redescendez et puis l'objet a disparu. C'était tout à fait normal, c'était évident qu'il allait disparaître. Les voleurs, ça court les rues, il y a même l'objet, d'accord ? Donc c'est pshia. Dans tous les cas, tous les gardiens seront khayav de rembourser la pshia. À l'autre extrême maintenant, on va se retrouver avec ce qu'on appelle la Meta Mechamat Melacha. C'est un peu délicat parce qu'ils ne sont pas vraiment hiérarchisés, mais en tout cas, dans la mesure où je vous permets d'utiliser mon objet, parce que je vous le prête ou parce que je vous le loue, si l'objet se détériore à cause de l'utilisation, vous n'avez rien fait de mal, vous l'avez uniquement utilisé, comme c'était prévu. Et pendant qu'il était en train de travailler, il en est mort parce qu'il a travaillé. Je vous ai prêté ma voiture. Et puis, la voiture, elle a arrêté de marcher en plein. Il n'y avait rien à contrôler. Il n'y avait pas le thermomètre qui est monté ou quoi que ce soit. D'un coup, elle s'est arrêtée de marcher, par exemple. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle Meta Mechamat Menacha. Elle est morte à cause du travail. Alors, c'est le cas de figure où tous seront dispensés. C'est-à-dire tous, le loueur, c'est celui qui loue l'objet, ou bien celui qui emprunte. Les gardiens, bien sûr, ne peuvent pas utiliser l'objet, donc on n'en parle pas. D'accord ? Il y a maintenant, au milieu, 3 cas de figure, 3 types d'incidents qui peuvent se produire, et selon le type de gardien que vous êtes, si vous êtes Shomer Chinam, ou Shomer Sachar, ou Shoel, vous serez plus ou moins imposé de me dédommager. Le cas d'abord, qui vous engage, en général, le plus, c'est le cas du vol. Du vol, quand on parle de vol, on parle de gneva, du vol en cachette. À différencier du cas de gzela, qu'on va plutôt traduire dans la Mishnah par un cas de captivité en fait, nishba, avec un ré à la fin. C'était chavouille, il a été pris en captivité. La différence elle est quoi? Elle est que je me fais voler un objet en cachette, donc l'objet n'était pas sur moi, je suis parti dans une autre pièce. Je l'ai plus ou moins surveillé, mais je n'ai pas monté la garde autour en train de le surveiller avec mon revolver. D'accord? À la différence du cas où je me le fais dépouiller. On me l'arrache des mains. Donc dans ce cas-là, j'étais en train de le surveiller, j'ai tout fait, presque tout fait pour, mais malgré tout, qu'est-ce que je pouvais faire devant son revolver, donc je lui ai cédé. Et il y a encore le cas de ce qu'on appelle ones. Ones, ça se traduit forcé, ça veut dire qu'il y a eu un incident imprévisible.
Mais malgré tout, ça reste un incident, c'est pas Metameh Hamat Melacha. Il y a trois cas de figure, et puis maintenant, on va se retrouver, selon le cas, chaque gardien, on va les hiérarchiser comme ça. Le Shomer Chinam, il sera dispensé même du cas de Gneva. Donc même s'il se le fait voler en cachette. Puisqu'il me rend service en gardant mon objet gratuitement, alors il n'est pas impliqué à monter la garde autour de l'objet. Il a le droit de le maintenir de la même manière que j'ai en ce moment, j'ai laissé mon argent posé dans une autre pièce. Il n'y a pas de voleur, a priori. Je me soucie pas qu'il y ait quelqu'un qui va monter avec une ficelle, avec une corde par la fenêtre pour s'introduire chez moi et me le voler. Donc, si je surveille de cette même manière votre objet, alors que j'étais chômeur chinam, je me le fais voler, je suis dispensé de vous rembourser. Je devrais juste jurer que je n'ai pas laissé de porte ouverte, par exemple, je n'ai pas été pochéa, je n'ai pas été fautif, mais je serai ensuite dispensé de vous dédommager si elle a été volée en cachette. Par contre, un chômeur sachar, un gardien même rémunéré, lui, puisqu'il est rémunéré pour payer, alors il se doit de rembourser si l'objet a été volé en cachette. Je laisse pour le moment de côté le cas de Aveda, consciemment, on l'expliquera ensuite. Ensuite, le cas maintenant, donc Shomer Sachar, il sera payé, à plus forte raison, bien sûr, celui qui emprunte, il sera toujours encore plus impliqué. Puisque là, il ne fait que de profiter de moi, je lui mets à disposition, il sera encore plus engagé. Maintenant, le cas du Shomer Sachar, donc il est chayav sur la Gneva. Par contre, il est patour sur la Xéla. S'il se fait dépouiller, alors il n'a pas de mitzvah de Messirut Nefesh, de mourir pour l'honneur de mon taureau que je lui mets à disposition. S'il se fait pointer avec un revolver, il lève les mains et il dit « Vas-y, prends-le et rentre à la maison. » D'accord ? C'est clair ? Ça, c'est le Shomer Sachar. Shomer Sachar, donc, il est Chayav Bigneva, mais patour Bigzela, s'il se le fait dépouiller. Ok ? Idem aussi, bien sûr, à plus forte raison, c'est si l'objet, c'est le même principe en réalité, ça s'appelle un malencontreux incident, c'était imprévisible, qu'est-ce qu'il pouvait faire, il n'a pas du tout fauté, il n'a pas du tout manqué à faire ce qu'il devait faire, et idem aussi si l'animal meurt d'un coup, il a une crise cardiaque, ou peu importe, il sera pas tour de me rembourser. Par contre, le chômer, le choel, celui qui emprunte l'objet, alors là, la Torah lui a donné un statut spécial. Dans la mesure où je te dépanne, je te mets à disposition mon objet gratuitement et tu fais que d'en profiter, alors tu es engagé à me le rendre, quel que soit l'incident qui pourra se produire, même si c'est un vrai incident imprévisible, à une seule exception, c'est le cas qu'on introduisait, c'est le cas de Metameh Hamat Melacha, quand elle est morte en l'utilisant. C'est-à-dire, je t'ai mis à disposition mon taureau pour labourer. Tu as commencé à peine à le labourer, le pauvre, il est mort. Il est mort parce qu'il a labouré, il n'avait plus de force pour labourer. Bon, alors pourquoi moi, je te l'ai mis à disposition? Je suis moi, le prêteur, le fautif de cette mort. Tandis que si je te l'ai simplement donné et qu'il y a eu un missile qui lui tombe du ciel dessus, il explose, il meurt, tu devras me le rembourser. Pour la simple raison que si j'étais pas là pour te dépanner, tu aurais toi-même acheté un taureau. Tu aurais dépensé 5000 shekels pour acheter un taureau. Moi, je t'ai rendu service, je te le prête gratuitement. Débrouille-toi au moins à me rendre à la fin un taureau, quel que soit l'incident pour lequel il est mort. C'est un peu l'esprit de toute cette halakha. C'est clair ? Donc on a, pour récapituler, ce qui nous intéresse, bon, les cas un petit peu extrêmes, on pourra maintenant les laisser de côté, qui sont les cas de pshia, quelqu'un qui faute, qui néglige, qui fait une grave erreur et laisse la porte ouverte. Sur ça, on n'en parle même pas. C'est sûr qu'il doit toujours dédommager, payer, quel que soit le niveau de gardien qu'il était. À l'autre extrême, donc, le Metameh Hamat Melacha, celle qui est morte en travaillant, alors, dans la mesure où il avait le droit d'utiliser l'objet pour en faire cet usage, si l'objet se casse pendant qu'il faisait cet usage, alors qu'il n'y avait aucune négligence, il sera dispensé de rembourser. Et au milieu, on a les cas de... Finalement, j'ai compté 5, en fait, ça fait 4, plutôt, je me suis trompé. C'est-à-dire, on a le cas de Gneva et le cas de Xela Ones, qui sont le même principe. Gneva, c'est le vol en cachette. Le seul qui sera dispensé, ce sera le gardien bénévole, Shomer Chinam, tandis que le Shomer Sachar sera responsable sur un tel cas. Et par contre, le Shomer Sachar, donc le gardien rémunéré, sera dispensé du cas où il a été, où l'objet est mort, Beones, c'est-à-dire un incident imprévisible, tel que il s'est fait braquer, ou bien il y a eu elle est morte de manière inattendue, et malgré tout, le Shoel sera toujours chayav dans ce cas,
Le Shoel Souno, Shoel Chayav Bakol. C'est ce que la Mishnah va nous dire tout de suite, on fait ça dans les mots. Avant de le faire dans les mots, non, c'est pas grave. Pour le moment, on s'arrête. On peut déjà le faire dans les mots, et je vous trompe un petit peu, mais c'est pas grave. Shomer Chinam Nishba Lakol. Alors là, maintenant, on a introduit les 4 cas de gardiens. En réalité, je vous dis, les 4 cas de gardiens, il y a juste 3 types de niveaux de gardiens. Tandis que le Socher, celui qui loue l'objet, il a le même statut que le Shomer Sachar, le gardien rémunéré. C'est une discussion dans la Gemara. La Mishnah ici va selon l'avis qui pense qu'il a un statut de Shomer Sachar, de gardien rémunéré. D'accord ? Donc Shomer Chinam Nishba Lakol. Le gardien bénévole devra jurer dans tous les cas et sera dispensé de rembourser. À la colle, à exclure le cas de Pshia, bien sûr. Le cas où il a été complètement fautif, mais on n'en parle même pas dans la Mishnah. Ensuite, Ve'ashoel Meshalem et Akol. À l'opposé, le Shoel, celui qui emprunte, Meshalem et Akol, il devra rembourser dans tous les cas. À l'exception, bien sûr, du cas où Meta Mechmat Melacha, mais de nouveau, on ne parle pas de ce cas-là précis dans la Mishnah. Bon, dans la Mishnah, en réalité, on a juste envie de comparer les cas de vol en cachette et de vol en attaque à main armée ou encore tous les cas de honnès, d'incidents imprévisibles. C'est ça qu'on veut dire quand on dit le mot « akol ». Est-ce qu'il est « chayav bakol » ou « patour mikol » ? Par contre, à la différence, « venosé sachar ve asocher », le gardien rémunéré ou celui qui loue l'objet, alors « nishba'im alashvura ve alashvuya ve alameta », ils devront jurer qu'ils n'ont pas manqué à leur devoir. Mais lorsque l'objet a été chavour, il s'est cassé soudainement, de manière imprévisible, vers la chvouya, s'il a été pris en captivité, vers la méta, ou bien s'il est mort, tout seul, de manière imprévisible. Tandis que, au meshalmineta, veda, vetagneva, ils devront, par contre, rembourser le cas où l'objet a été perdu, et le cas où l'objet a été volé. C'est quoi l'objet qui a été perdu ? On parle de nouveau d'un cas où il a posé l'objet de manière tout à fait normale, et puis d'un coup il ne le retrouve plus. Il ne peut pas affirmer qu'il y a eu un voleur qui est venu par la fenêtre, mais il ne sait pas non plus où est-ce qu'il est passé. C'est pas qu'il a négligé du tout, il a laissé dans une pièce, il est revenu, il a disparu, d'accord ? Il y a quelque part, bon, c'est pas la peine de rallonger dessus, il y a quelque part quand même un petit peu plus de responsabilité, mais malgré tout il a le même statut que la Gneva finalement. D'accord ? On a à présent fini la Mishnah. Tout le Barthénora va nous rapporter longuement les psukim. Alors si déjà, autant le faire directement dans les psukim, et ça élargit la culture juive. Alors, on est dans Parashat Mishpatim, Perek Chav Bet, et il y a plusieurs séquences de la Torah qui parlent des gardiens. On commence avec « Kiita nishal ro kesef okelim lishmor » Ne vous inquiétez pas, on va essayer de le faire le plus succinctement, mais quand même d'avoir un point de vue général sur toute cette parasha-là originale des gardiens. La première parasha nous dit « Kiita nishal ro kesef okelim lishmor » Lorsqu'un homme donnera à son prochain à garder du kesef, de l'argent ou des objets à surveiller, et l'objet a été volé par une gneva. Alors, la Torah rallonge pour nous dire, finalement, il devra jurer que l'objet a été volé. On parle donc d'une gneva. La Torah continue ensuite en nous disant, « Ki tanishen reu chamor osho rosé » Lorsqu'un homme donnera à son prochain à garder, cette fois-ci, un âne, un taureau, un mouton, « vechol behema » ou tout autre animal, et alors, là, la Torah rentre dans plus de précision, nous disant « Oumet onishba enroé » et que l'animal est soudainement mort, ou bien qu'il a été brisé, ou qu'il a été pris en captivité, et qu'il n'y a pas de témoin, alors il devra jurer. D'accord, il devra jurer. Par contre, la Torah nous précise « Vimganov, iganev meimo, yashalem livalav » S'il a été volé en cachette, par contre, il devra le rembourser. Après, bon. Ensuite, troisième paracha. Vechishal ish meimreu venishba omet. Par contre, lorsqu'il empruntera de son prochain et que l'animal a été brisé ou est mort soudainement, bealavenimo, shalem yeshalem. Si le propriétaire n'était pas présent avec lui, on a déjà évoqué le cas de Shmura Bebailim, donc shalem yeshalem, il devra le rembourser. Im bealavimo lo yeshalem, on rentre pas dans le taille, mais la Mishna Torah conclut en nous disant im sachiru, s'il a louer l'objet, Bam Israro, il a eu en contrepartie sa paye. C'est une phrase assez floue, donc ça fait l'objet de discussion. Si maintenant je récapitule les thèmes de cette paracha, on a commencé avec un premier cas d'un gardien qui est dispensé de dédommager lorsque l'objet se fait voler Begneva en cachette.
Après, sans préciser quel était le gardien, Chachamim déduisent qu'on parle d'un gardien qui était bénévole. La deuxième paracha continue ensuite en nous parlant maintenant d'un autre gardien qui gardait un animal. Donc, on déduit que c'est un gardien rémunéré. Et alors là, la Torah nous rentre dans les précisions et nous dit attention, ça dépend. Selon le cas, tu devras oui ou non rembourser ou bien jurer. Si l'animal est mort de manière inattendue, donc tu jureras, d'accord, ou bien s'il était en captivité. Par contre, si l'animal a été volé en cachette, tu devras rembourser. Et après, la Torah continue en disant, et si tu étais gardien, tu devras payer. Même si l'animal est mort de manière imprévue. Avec, à la fin, une précision, par contre, celui qui loue l'objet n'aura pas le même statut que celui qui emprunte, étant donné que, ça va, t'es pas si généreux avec lui à lui mettre à disposition ton objet, puisque tu reçois aussi une contrepartie. Et c'est Satoum. On a du mal à déceler de qui on parle. Est-ce que dans ce cas-là, il va avoir un statut de Shomer Chinam ou Shomer Sachar? Comme je vous le rapportais tout à l'heure, il y a une discussion en réalité. Et notre Mishnah nous enseigne que, va selon l'avis de Rabbi Yehuda, si je ne me trompe pas, qui nous dit qu'il a un statut de Shomer Sachar. D'accord? De gardien rémunéré. Voilà pour les psukim. Donc on a vu maintenant tout ça dans les psukim. Maintenant ça va aller plus vite dans le partenariat Bezrat Hashem. Alors maintenant on va prendre en Shomer Chinam Nishba Lakol. Le gardien bénévole Nishba Lakol. Il devra jurer dans tous les cas. Alkol Ameorot Aktuvot Bishar Shomrim Lechiyuv. L'avantage d'avoir vu dans les psukim, maintenant on comprend de quoi on parle. Quand on dit Alakol, c'est surtout. Or on a expliqué à l'oral qu'il y avait quand même des cas où il fallait rembourser même un gardien bénévole. Par exemple, le cas où il a négligé complètement de surveiller l'objet, il a laissé la porte ouverte. Alors pourquoi tu me dis à la colle? En réalité, parce que quand je te parle de tout, je parle de quoi tout? C'est pas tous les cas de figure dans le monde. C'est tous les cas de figure évoqués dans la Torah qui sont Nishbar, Nishba, Met et Gneva. D'accord? Donc, Shomer Chinam, Nishba, la colle, il devra jurer dans tous les cas qui sont évoqués dans la Torah, il sera dispensé en jurant uniquement, il ne devra pas rembourser. Alkol Ameorot, Aktuvot, Bishar, Shomrim, Lechiyuv, le Bata Nora nous dit. Surtout les différents incidents qui pourraient se produire dans les autres gardiens que la Torah a explicité. Nishba, Shekach, Altalo, Patour, il devra jurer que c'est ce qui s'est passé. Je te jure que l'objet a été volé en cachette, j'ai pas laissé de porte ouverte. Et voilà, et donc il sera dispensé de payer. À la différence, Shoel Meshalem et Akol, il devra toujours payer. Bien sûr, pas toujours, toujours. Toujours, dans tous les cas évoqués dans la Mishnah qui sont Gneva, Aveda, Veonsim, les cas de vol en cachette, ou bien les cas de perte d'objets qu'il n'a pas trouvé, et même les cas de Onsim, les incidents imprévisibles. Malgré tout, il devra les rembourser le Shoel, l'emprunteur. Nosse Sachar, Vea Socher. Le nosé sachar, c'est celui qui le gardien rémunéré, et le socher, celui qui loue l'objet. Vekulhu, nafkalan, mikrae, beparashat, ve'ela mishpatim. Tous sont déduits des psukim de la paracha de ve'ela mishpatim, comme ce qu'on a lu par écrit bet. Paracha rishona, ki tenishan reo, vecholen emra, bechomechinam. La première paracha, il y a une discussion, la Gemara allonge pour nous déduire. C'est-à-dire dans les psukim, si vous regarderez dans les psukim, vous verrez qu'il y a un problème dans la première paracha et la deuxième paracha, la première séquence et la deuxième séquence. On parle d'un gardien qui garde des objets ou de l'argent, et après on parle d'un gardien qui garde un âne ou un taureau, sans préciser qui est rémunéré, qui n'est pas rémunéré dans cette histoire. Et donc, Rami m'explique pourquoi la première séquence parle du gardien chinam, c'est ce que le partenaire nous rapporte maintenant. Paracha rishona kitane jareu nemra bechomer chinam. La première séquence nous parle d'un shomer chinam, d'un gardien bénévole. Sheken patarbo gneva vaveda, parce que la logique nous pousse à dire ça, étant donné qu'on l'a dispensé dans le cas de gneva vaveda. C'est l'objet a été volé en cachette. Shniya, la deuxième séquence, qui est anishadreu chamor oshorose, neemra beshomer sachar. La deuxième séquence donc, nous parle d'un shomer sachar, d'un gardien rémunéré. Sheken chayevbo gneva vaveda, étant donné que la Torah l'a rendu chayav, de dédommager, lorsque l'objet a été volé ou perdu. Dirtiv im ganov iganev meimo yashalem livalav, comme le pasuk l'explicite, si l'objet a été volé, il devra le rembourser. En la gneva, à chaque fois tu parles de gneva et aveda, qui a dit qu'il est chayav aussi sur la aveda si l'objet a été perdu? Peut-être qu'il est chayav juste si l'objet a été volé en cachette. Sur ça, la Mishnah nous le déduit en kelvachomer par a fortiori. En la gneva, je n'ai que le cas explicitement, que le cas de la gneva, du vol en cachette. Aveda minain, le cas où l'objet a disparu uniquement, d'où je le sais. Talmud lomar im ganov iganev mikol makom.
Il y a une insistance là-bas sur le passage qui nous dit Mgano et Mganef dans tous les cas, Veod. Et en plus, il y a Kalvachomer, il y a un fortiori. Ou Magneva Shekrova Leones Rayav. Le cas d'un vol en cachette ou quelque part, c'était presque imprévisible. Un voleur qui rentre par la fenêtre. Bon, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent, mais quand même. Et malgré tout, la Torah t'a imposé de le rembourser. Alors, Aveda, Shekrova, le Pshia, le Kol Sheken, un cas où uniquement l'objet a disparu, n'est-ce pas plus forte raison que tu devrais le rembourser. Vesocher, Kol Sheen, Kevan Sheen, Anar, Kevan Sheen, Kol Anar, Shelo, Dino, Keshema, Sachar. Celui qui loue l'objet, étant donné qu'il n'est pas en train de tirer un profit à 100% de son voisin, tu touches une contrepartie, tu mets l'objet à disposition. Moi aussi, je te paye. Donc, tu gagnes par cela. Donc, il n'a pas un statut de Shoel, d'emprunteur, mais il aura plutôt un statut de Shomer, Sachar, de gardien rémunéré. Vea Shoel, celui qui emprunte l'objet, mais Forage me parachache les chites, c'est la troisième séquence qu'on a vue dans le psukim. Vechishal ishmeim reu vinishbar omet beala benimo, shalem et shalem, et que la Torah explicite, c'est que lorsqu'il empruntera, et que l'objet disparaîtra, mourra, et donc il faudra le rembourser. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain, Kol Tov. C'est là.